Allez, bonjour les amis, super ravi de vous retrouver. Alors écoutez, on est parti pour la quatrième vidéo du char du M48. Alors tout d'abord, je voulais vraiment tous vous remercier de votre soutien, de vos commentaires. C'est vraiment super sympa. Franchement, merci beaucoup à tous. Et continuez à fond, les pouces, les commentaires, c'est super cool les amis, c'est super génial. Donc on s'était quitté. On s'était quitté ici. Alors, on s'était quitté, je crois, sur la troisième partie. Je crois que c'était par ici. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit là-haut, nickel. Non, même pas. Si, ça, on l'avait fait ensemble, je crois. Non, on avait fait ça ensemble, voilà. On avait fait toute cette partie-là ensemble. Tout est fait, tout est prêt. Alors, tout est prêt à être apprêté. Donc là, les amis, le temps du jingle et je vais apprêter tout ça et on se retrouve après l'après les amis. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, bon j'ai un petit peu bossé, vous m'excuserez. Ça y est, je l'ai peint et je l'ai verni. Voilà, donc je l'ai peint en XF62. Voilà, donc j'ai passé deux couches. Par contre, j'ai fait une petite connerie, je pense que les roues, je les ai collées. Enfin les jantes là, je les ai collées, j'aurais peut-être pas dû les coller, j'aurais dû les peindre après. Mais bon, maintenant qu'on va jouer avec le crayon et tout le patatin, je pense que ça va être bien sympa. Donc voilà le résultat du char en lui-même. Donc là, je viens juste de mettre un petit coup de panel line dans les jantes. Vous voyez, ça rend pas mal, hein, franchement, c'est cool. Voilà, la tourelle. Hop. Donc la tourelle, j'ai peint tout ça. Alors ça, je l'ai peint en quoi? Je ne sais plus. Je l'ai peint en X60. XF60, pardon. Je l'ai peint en XF60. Ensuite, ça, je l'ai peint en XF66. La petite mitrailleuse, là. Et puis voilà, et puis on l'a verni. Je pense que c'est joli, hein. C'est une belle gueule, quand même, hein. C'est sympa. Maintenant, on va y toucher un petit peu partout. On va y jouer un petit peu avec les crayons. Mais avant, on va mettre les décalques. Donc, je pense que ça, on va le faire ensemble, les gars. Alors, on va mettre les décalques. Alors, on va se remettre au niveau des décalques. Alors, il y a plusieurs modèles. Bah, nous, on va faire. Je pense qu'on va partir directement sur le modèle de la boîte. On va pas s'embêter. Hein. Donc, on va partir sur le premier. Après, c'est juste les décalques qui changent. Comme on veut pas faire de diorama, de toute façon. Donc, on va partir là-dessus. Donc on va partir sur ça là. Bon, de toute façon, des décalques, il n'y en a pas 50 000. Hop là. Et bien on va commencer. On va attaquer par les croix. Donc il y a quoi là? Les croix, ça vient juste dessous. D'accord, donc on va partir par... On va commencer par les croix. Alors déjà, je vais changer. Oh, attendez. Allez, on prend le cutter. Hop là. Bon bah allez, c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et puis c'est cool quoi, moi je le trouve super sympa ce petit char là. Putain, il est classe, hein. Peut-être, alors je l'ai verni avec le semi-gloss de Mr. Robbie. Ouais, bon, ben, je me suis pas trop embêté. Mais franchement, je trouve que ça le fait.
tout petit chouïa, peut-être un petit peu chouïa brillant, mais bon. C'est pas mal, quoi, c'est pas mal du tout. Pour mon premier, moi je trouve que ça fait vraiment réaliste. Ça fait vraiment réaliste. Après, on va jouer du crayon, mais bon, en attendant, il faut qu'on fasse un petit peu de décal. Alors, donc on commence comme ceci. Décal numéro 5. Oh, j'ai pas sorti. On va prendre celui-là, il est bien celui-là. Bon, on va faire 2-3 ensemble, après je vais finir et puis on se retrouvera les amis. Alors là, on part ici. Donc ça, voilà le truc. Bon, écoutez les amis, je vais finir de mettre tous les décalques et on se reprend. Allez, à tout de suite les amis. Allez, voilà les amis, on se retrouve. Alors, donc voilà la bête. Du coup, j'ai bossé encore un peu, hein, parce que... Alors, au niveau des décalques, là... Non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, donc nous, on était parti sur cette optique-là. Au niveau des décalques, il me demande ce petit truc en décalque, là, blanc, là. Je sais pas si on voit... La caméra, blanc, hop. Moi, je l'ai fait à la peinture. Hein. Donc, je l'ai fait à la peinture, je l'ai fait avec le X2 blanc, comme ça. Vous voyez, donc ça donne ça. Après, bah, tout le reste, c'était bon. J'ai posé tous les décalques, les autres, c'est bon. Et donc, en gros, ça donne ça. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc, j'ai posé tous les décalques. J'ai fait ces petits liserés blancs, donc ces petits bords métalliques. J'ai fait tout ce qui est feu rouge, les clignotants. Donc ça, je l'ai fait en X7 en enamel, toujours comme ça. Voilà. Le bleu, par contre, j'en avais pas de l'enamel, donc je l'ai fait tout ce qui est bleu à l'intérieur. Là, je sais pas si on voit la caméra. Hop, ici. Les petits bleus ici, ici, et là, tous les petits. Ah, j'en ai oublié deux là, je crois bien. Il va falloir que je regarde pour les faire. En blanc à l'intérieur aussi. Ouais, je les ai fait en bleu de Tamiya, donc le XF8. J'ai que ça. Donc voilà, bon bref. Ceci dit, c'est un super beau. Je sais pas si on voit. C'est un super beau, super bel engin quand même. C'est classe, hein. C'est cool. Donc je vais finir ces deux petits machins. Donc on en était là. Donc du coup, j'étais en train de faire les chenilles. Alors les chenilles, je suis parti là-dessus en fait. Donc c'est un produit de chez AK. Donc le AK, le 023.
Ça fait pas du tout cet effet-là. J'avais acheté ça il y a un petit moment d'ailleurs. Donc j'en ai quelques-uns hein, quand même. Et en fait, ça rend plutôt pas mal, hein. Vous voyez ce petit effet là? Je sais pas si on voit. Donc du coup, bah, je vais faire l'intérieur aussi. Et après, on viendra juste toutes ces plaquettes là. On viendra les faire en métallique. Alors, on regardera comment on peut faire. Donc le produit, on le mélange hein, et puis on badigeonne hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et ça fait un beau rendu quand même. Hein. Franchement, moi je trouve que c'est sympa. Ça m'a l'air d'être. Je pense que c'est de l'énamel. Hop. Bon bah je vais faire ça hors caméra, je vais finir ça tranquillement, laisser sécher, et puis on se retrouvera après. Ok les amis. Allez, à tout de suite.
Bon bah écoutez, bah voilà, bah j'ai terminé le char. Que dire, que dire, que dire? Et bah franchement, c'est super sympa à faire. Vraiment, je me suis éclaté à faire ça. C'est vraiment, c'est agréable. C'est super agréable. Alors il y a deux petites couilles sur ce char. Alors tout d'abord, j'ai les antennes, j'ai des petites antennes là où il faut, vous savez, les chauffer et les mettre dessus. J'ai pas réussi. Le truc, je le chauffais, je mettais la petite aiguille, elle partait à gauche ou elle partait à droite. Ça a été, c'était vraiment, vraiment compliqué, donc je l'ai pas mis du coup. Ensuite, ici, là, je sais pas si vous voyez, enfin pour ceux-là qui veulent le monter, bien sûr, j'ai des trous ici en fait. J'ai des trous pour fixer cette espèce de spot ou ouais, ce spot, pour fixer ce spot en fait. Les trous, ils disent de les percer à 1 mm, mais c'est beaucoup plus petit que ça, hein. Donc, faut pas se faire avoir sur ce coup-là. Faut d'abord préparer cette pièce-là. Et vous verrez, c'est des tout petits pipions là qu'il y a sur les supports de, sur le support de du spot là en fait. Enfin, je pense que c'est un spot. Hein. Et en fait, c'est beaucoup beaucoup trop gros. Moi, je les ai percés à 1 mm comme ils me disent sur la notice. Et en fait, c'est pas bon. Faut vraiment percer beaucoup plus petit. Sinon ensuite, ensuite voilà quoi. Donc j'ai fait un peu de, j'ai fait un peu avec les crayons AK. Donc bon bah c'est pas si simple que ça. On regarde des vidéos, mais c'est vraiment pas si simple que ça les crayons AK. Mais bon franchement on s'éclate bien. Et bon bah le rendu est pas trop vilain, pas trop vilain, hein, je pense. Hein. Franchement c'est pas trop. C'est pas trop pour le pro, pour la première fois que je fais ça. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé quoi. Donc j'ai fait des petits effets là. Vous savez, je sais pas si on voit là au niveau des à l'arrière, un peu de rouille. J'ai essayé de me rapprocher, voir si vous voyez là sur la GoPro. Puis, au niveau de la du jerrycan là, je sais pas si on voit. Donc voilà, sinon. Donc je vais vous faire un petit, je vais vous faire un, restez jusqu'à la fin, je vais vous faire des photos, je vais vous le faire tourner sur Tournicotis, Tournicoton, et puis voilà. Sinon après que dire de plus, pas grand chose, hein. Mais c'est vraiment super sympa à faire hein, quand même. Pour quelqu'un qui commence à faire un char, je pense que celui-ci est un bon compromis. Je crois que sur la boîte c'était niveau 4. Tout se monte bien, juste ne serait-ce que ces trous là. Ces trous à faire gaffe qu'il faut pas mettre, qu'il faut pas percer. Donc comme je vous ai expliqué. Et l'antenne aussi, les deux petites antennes là. J'ai beau chauffer avec le briquet, ça part à gauche, ça part à droite. J'ai failli les abîmer. Donc je fais, bon bah, il n'y aura pas d'antenne, tant pis. Donc voilà les amis, bon bah je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas si vraiment si ce. Si ce montage vous a plu, si ça vous a un petit peu diverti, donc c'est le but, hein, c'est vraiment cool, c'est gagné pour moi. Et puis voilà les amis. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus, donc n'hésitez pas, hein, des pouces. Hein. Dans la description, j'ai toujours, toujours ma page Tipeee, il hein, n'y a pas de souci. Si vous voulez soutenir la chaîne, tout est dans la description les amis. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous dis à très très vite pour un prochain montage. Allez, salut les amis, à plus, salut, ciao, bye.